J'espère juste que ça sera une autre cinématique où on va pas devoir se taper tout le. Non, non. Berceau orbital. Bien, je vais vous conduire au berceau orbital. Quelle est sa fonction exactement, le berceau orbital? C'est le quartier général des Sept. Vous le verrez bientôt par vos propres yeux. Le château des Illusions est notre base d'opération auxiliaire. Le château n'a pas fonctionné à son plein potentiel depuis longtemps. Patientez, je restaure ses fonctions. Avis à l'intelligence artificielle de contrôle. Code Ptolémée, il faut suspendre l'échelle stellaire. Compris, système connecté, application du code Ptolémée. Suspension du câble de l'échelle stellaire, amarrage de la base empirée terminé. Attends, est-ce qu'il s'agit de l'ascenseur spatial? Oui, c'est exact. Maintenant, prenez cette entrée et identifiez-moi, empruntez une voie tout à fait différente. Vous pouvez. Pourquoi devez-vous passer par un autre chemin? Nous sommes des IA. Nous transférons les données de notre personnalité sans nous encombrer d'un corps physique. Bien, ça a l'air très pratique d'être un E2. La candeur me battra toujours. Attends, je vais les accompagner. Je me suis tenue à leur côté depuis tout ce temps, alors je préférerais rester auprès d'eux jusqu'au bout. De plus, il vaut mieux qu'ils aient une escorte. Très bien. D'accord. Dans ce cas, retrouvons-nous bientôt. Voilà. Je veux savoir qui est de... les autres ils ont disparu. C'est l'entrée de l'ascenseur spatial? Non. Cette porte est interdite d'accès pour le moment. Vous ne pouvez pénétrer ici. L'ascenseur spatial se trouve de ce côté, avant tout. J'ai très envie d'aller dans cette porte. De toute façon, elle est bloquée, donc... Laissons tomber pour le moment. Il n'y a pas un... Oh. Ah! J'ai le flair. Voilà, bien, bien, bien. Une pièce étrange. Je ne dis pas que cette structure est... Ascenseur spatial Virgile paru au décollage. Préparez-vous pour l'impact. La planète. Incroyable. On a vu une partie du continent. Est-ce que c'est la surface de la planète? L'ascenseur spatial est une échelle céleste créée par le peuple de l'autre Gaïa pour connecter l'univers et les étoiles. Que j'ai vertige. La vue est à couper le souffle. Moi, ça m'effraie.
L'infini comme ça, faire dans l'infini, ça me plaît. Bref, je ne me sens pas très bien à une telle hauteur. Un seul geste de travers et tu es bon pour plonger dans l'abîme, la tête la première et mourir dans votre souffrance. Arrête. L'ascenseur va nous conduire directement au berceau, c'est ça? Oui, normalement. Toi, tu dis non, hein. Comment ça, normalement? J'ai un mauvais pressentiment, Robin. Préparez-vous à combattre. Tu sais que tu n'as pas le droit d'amener des abeilles au berceau, dit Antus. Callistephus, je ne m'attendais. Callistephus. Désolé, je ne m'attendais pas à ce que tu t'imposes. Évidemment, réalises-tu que tu es sur le point de déclencher une guerre? Prends bien conscience des répercussions de tes actes, dit Antus. J'adore. Je suis le 7 responsable du berceau. Vous ne me vaincrez pas aussi facilement que le 7 du château des illusions. Je ne peux vous laisser entrer dans le berceau, je vais mettre fin à votre existence ici maintenant. ok. J'aurais quand même pu prévenir qu'on a... Wow! J'avais pas vu! Attends. Wow! J'ai failli mourir là! Poursuis-moi, va tanker quelqu'un d'autre. Mais où? Voilà. Ouh. Là, j'ai vu ma vie défiler. Il me restait 11 PV. Là, j'ai rien. Pardon. Callistephus. Les vieux principes héritiers du cloud de la conservation humaine auxquels tu t'accroches sont révolus. Recule. Persiste à vouloir entrer au mépris des conséquences. Bien, c'est ce que tu souhaites. Mais c'est le gars qui parle en fait. C'est bon, on est plus trop ici. L'ascenseur s'est arrêté. On ne peut pas imaginer pire endroit pour rester suspendu au-dessus du vide. Quel de dire. Callistephus a sûrement envoyé un signal d'arrêt pour bloquer notre ascension. Maintenant, pas vraiment envie de crever ici en contemplant les étoiles au milieu du néant. Ah oui, pourtant ce serait plutôt romantique, je trouve. La bonne nouvelle, c'est que la station relais du Purgatorium est proche. Nous n'avons pas d'autre choix que de gravir le conduit stellaire à pied. À pied? En jugé par la réaction d'Aria, ça ne semble pas être l'idée du siècle. C'est totalement irréaliste. Tu as conscience du nombre de kilomètres qu'il nous reste à parcourir? Non. Nous devons simplement nous rendre au Purgatorium pour accéder au terminal de maintenance. Nous activons la console, l'ascenseur spatial redémarra. Les distances restent raisonnables pour nous. Je veux dire, combien de jours? Raisonnable à quel point? Il vaut mieux que je ne vous révèle pas ces détails. Vous, les humains, êtes capables de marcher très longtemps lorsque vous ignorez la distance réelle à parcourir. Les commentaires ont le don de blesser la mort propre. Je vais prendre ça comme un compliment. Mais c'est pas bien. Mais sinon, mais c'est pas bien. Bien, allons-y. Mais c'est pas ça une prochaine fois, alors. Parce que hors de question que j'enchaîne les deux en fait. On en a déjà fait deux à la suite. Parfait. Oui.
Ça ressemble à un donjon quand même. Ah, si j'avais su, je me serais arrêtée. Ascenseur spatial Virgile. Bon. On est vraiment censé passer par ici. Désolée, les prises sont précaires. Nous n'avions pas prévu que des humains utiliseraient l'ascenseur. Ça vise pas de faire le moindre faux pas, hein, Aïn. Ou tu te transformeras directement en étoile filante. Bon, on pourra tous faire un vœu. Arrêtez, par pitié. Il ferait mieux d'accélérer la cadence avant qu'un nouvel obstacle ne vienne nous barrer la route. Tomber. Cela devrait faire l'affaire. Je vais fermer la porte. J'ai annulé le signal d'arrêt. Nous pouvons faire les allers-retours entre le château et le berceau des ennemis. Ainsi, il nous sera possible de retourner sur Terre si la situation tourne en notre défaveur. Crois que l'augure que nous avons vu reviendra nous attaquer? Je suis certaine que d'autres sets du même cloud sont à notre recherche. S'ils nous trouvent, l'affrontement sera inévitable. Tu peux nous dire ce que c'est qu'un cloud, au juste? Je t'ai entendu prononcer ce mot tout à l'heure. En termes humains, ce mot signifierait « faction ». Les IA ont, aux inclinaisons logiques similaires se fédèrent. Exactement. Nous ne formons pas une entité idéologique monolithique. Je vois que tu es bien renseigné, Aria. Bien, je ne suis pas une scientifique pour rien. Mais vous, vous êtes vraiment des IA. Tout ce que tu as pu voir sur Lost Gaia est réel. C'était... Lost Gaia. La main d'Aria tremble légèrement. Hélène. On ne peut pas t'arrêter si près du but arrive. Hein? Attends. Aria, il dit, tu ne peux pas t'arrêter si près du but arrive. Ok, elle se parle à elle-même. J'ai eu un bug. Mais si, je me suis dit, ça y est, il y a une double personnalité. Bon, on verra ça la prochaine fois. Parce que... Ah, et puis non, c'est pas grave. Je couperai, je couperai. De toute façon, je suis déjà en train de couper une vidéo de 16 heures, donc c'est pas une vidéo de 10 heures qui va m'en empêcher. Pour information, je suis à 3 heures de vidéo. 3 heures de record. Pas grave, pas grave. J'ai envie de continuer. J'ai pas envie de m'embêter avec des quêtes annexes. J'ai juste envie de... Je couperai au moment où ça dit chapitre terminé. Comme ça, ça fera une vidéo. Je sais pas combien de temps ça... Il y en a sur ça. Ça durera. Combien de temps seront les vidéos séparées? J'aurais quand même peut-être dû passer à la maison pour récupérer de la vie. De toute façon, il reste pas grand-chose. On va juste avancer un minimum au niveau des étages. Vu qu'on va pas tarder à devoir retourner à la maison. Il y a rien. Il y a la suite. Et il y a
pas fait tarder. On est quand même pas sûr d'avoir le bon niveau. On va essayer de choper. Ah, mais non, mon sac à dos est plein, donc ça sert à rien. Ah, merde. C'est pas des ennemis. Nous sommes arrivés au terminal de maintenance. Non, il s'agit du... Je me demande ce qui vous a pris autant de temps. Gif. Je vous ai enfin trouvé. Le signal de Dianthus a été interrompu. Je ne m'attendais pas à ce que vous graffitiez manuellement le conduit de l'ascenseur spatial. Votre ascension ne s'est pas déroulée comme prévu. Callistephus a interféré avec les signaux. Cela ne sera pas facile de reprendre le contrôle. Pardon. Alors, nous sommes encore loin du terminal de maintenance. Nous sommes plus ou moins à mi-chemin. Ah. Maintenant que vous êtes ici, permettez-moi de vous faire visiter la base stellaire. Ainsi, il vous sera plus facile d'assimiler ce que j'ai à vous dire. Qu'en penses-tu, Dianthus ? J'imagine que tu as raison. Callistephus désapprouverait, mais nous ne pouvons pas garder le secret éternellement. Très bien, dans ce cas, suivez-moi. Aïe. Et continuons. Est-ce que c'est... Un lumicycle. Mais pourquoi y a-t-il un lumicycle dans l'espace ? Il s'agit d'un précurseur, un proto-lumicycle, en quelque sorte. Quatre lumicycles implantés sur Gaïa sont des modèles produits en masse, créés à partir de ce prototype. Je crois rien du tout. Tu veux dire que les lumicycles sont des trucs que vous avez créés. Comme tu l'as probablement deviné, les lumicycles sont des machines élaborées par les sept. C'est absurde. Si tu comptes nous mentir, fais au moins en sorte d'être convaincant, je veux dire. Tu te moques de nous, pas vrai? Nous ne pouvons pas vraiment le contredire quand la preuve de ce qu'il avance se tient juste devant nos yeux. Je ne regrette pas de vous avoir conduit ici. Commencez déjà à comprendre. Les lumicycles ont été créés par des dias. Je n'ai pas envie d'y croire, mais ça voudrait dire que la Reine Rouge est également votre... Pour vous expliquer ce qui s'est passé, je vais devoir reprendre l'histoire du début. Enfin, si vous le voulez bien. Là, ça aurait été parfait que ce soit juste une cinématique avec une voix. Oui. S'il te plaît. Très bien. Quand Lost Gaïa est devenue inhabitable, l'humanité a confié son futur aux intelligences artificielles.
Cependant, la planète était déjà morte, alors nous avons étudié sa source vitale dans l'optique de la ressusciter. La source vitale de la planète ? Nos recherches nous ont révélé l'existence de la cellule astrale. La cellule astrale. C'est bien ce que vous étudiez au centre de recherche de l'autre Gaïa, non ? Oui, il s'agit de la structure endogène de la Reine Rouge. Nous avions émis l'hypothèse que les gènes de la planète étaient stockés au cœur de cette structure. Et vous étiez sur la bonne voie. Plus précisément, la cellule astrale contient le matériel génétique de toute vie sur la planète. Nous avons d'ailleurs appelé cette structure « génome de Gaïa ». Génome de Gaïa ? Donc les planètes ont-elles aussi un ADN comme les autres êtres vivants ? Oui. Après avoir analysé le génome de Gaïa, nous avons élaboré un plan. Le programme ReGaïa. Nous aspirions à créer un clone de l'autre Gaïa en dupliquant le génome de Gaïa sur une autre planète. Qu'est-ce que tu entends par clone ? Il veut dire qu'ils ont essayé d'en faire une copie. Grâce à notre technologie, il nous était possible d'utiliser les gènes d'un organisme pour le recréer à l'identique. Les augures avaient l'intention de faire la même chose, mais à l'échelle d'une planète entière. C'est tout à fait ça. Originellement, le Numicycle était destiné à transformer ReGaïa en clone de la Terre. Les machines devaient greffer la graine de la Terre, le génome de Gaïa, au cœur d'un autre astre pour cloner la planète. C'est pour cette raison que les Numicycles ressemblent autant à la Reine. Attendez, c'est vraiment possible de répliquer une planète entière ? Eh bien, Aria pourra peut-être vous répondre. Si j'étais persuadée d'avoir voyagé dans le temps, c'est parce que ReGaïa ressemblait à s'y méprendre à la Terre. De toute évidence, votre planète avait quelques particularités, comme le monolithe et la magie. Mais tout le reste, des conditions climatiques à l'environnement, était une copie conforme de mon étoile. Pour cette raison que j'étais convaincue d'avoir été victime d'une catastrophe temporelle. Mais pourquoi vous donner tant de mal ? Tout ceci faisait partie d'un plan. Nous devions créer une planète hospitalière capable d'accueillir les humains. Et nous avions ordre de préserver l'humanité. Notre Gaïa était irrécupérable. L'urgence était de trouver un environnement adapté aux humains, quitte à changer d'astre. Notre plan a fonctionné jusqu'à un certain point. Deux des machines cultivaient l'océan et la terre, et la troisième maintenait des conditions de vie favorables. Donc on a le Numicycle de l'eau, enfin de l'été, le Numicycle de l'hiver, celui-là de la terre, et la condition de vie favorable, je suppose que c'est le Numicycle du printemps, il y a 2 ans. Et puis il y a la Reine Rouge. La quatrième veillait à conserver l'écosystème en place, au détriment de l'évolution. Et Gaïa a rapidement pris vie. C'était comme si nous assistions au lent essor de la Terre en avance rapide. Bientôt, la planète devint une terre nourricière, prodiguant ses ressources opulentes à une faune foisonnante. Bientôt... J'ai pas appuyé. Toutes les conditions étaient réunies pour que l'humanité puisse s'implanter sur cette planète au plus tôt. Non, mais j'ai pas lu. Ah, ce bug. Je vois. Votre plan s'appuyait sur l'ingénierie moléculaire évolutive. Mais attends, dans ce cas, il... Honnêtement, toute cette histoire me dépasse. Je n'arrive pas à croire que les Numicycles sont artificiels. Mais si j'ai le dit, nous devons accepter l'histoire de notre planète telle qu'elle est. Sans le programme ReGaïa, nous ne serions pas en vie aujourd'hui. C'est vrai, mais... Le programme ReGaïa est toujours en phase d'exécution. Ah bon ? Mais les humains vivent sur ReGaïa. Ça veut dire que la planète est déjà habitable, non ? Je suppose que c'est à cause du quiétus. Certes, la planète est aujourd'hui habitable en état. Mais nous avons tout de même un gros problème à régler. Le quiétus. Le quiétus. Exactement. Le quiétus n'a jamais fait partie de notre plan. Ce revers cinglant a considérablement enrayé le programme ReGaïa. À ce rythme, l'histoire ne fera que se répéter. Et la planète finira par connaître le même sort que l'Ost Gaïa. Les augures ne sont donc pas à l'origine du quiétus ? Bien sûr que non. Pourquoi chercherions-nous à détruire ce que nous avons créé de nos propres mains ? Presque compliqué tout à l'heure. Pourquoi tu dis que le quiétus a mené l'Ost Gaïa à sa terre ? Tu vois les particules brillantes qui flottent dans l'air pendant le quiétus ? C'est de la poussière de Gaïa.
la même que celle qui a originellement ensevelie Los Gaia avant de la tuer à petit feu. Si nous ne faisons rien pour la sauver, alors Rigaïa mourra elle aussi. Et elle s'étiolera inéluctablement pour devenir une terre désolée aussi stérile que Los Gaia. Ah non, il n'y a rien que nous puissions faire? Si, il existe une solution. C'est précisément la raison pour laquelle je vous mène aujourd'hui à ce berceau. Aujourd'hui au berceau. Comment? Tu as trouvé le moyen d'endiguer le quiétus? C'est bien la première fois que j'entrevois une lueur d'espoir pour ce monde. J'ai fait une découverte capitale, et il n'existe aucun autre moyen. Trêve de bavardage. Si vous souhaitez toujours venir au berceau, mettons-nous en mouvement, car la route est longue. Ok. Je peux clairement pas m'arrêter. Avant de retourner là-bas, on a un truc à aller visionner. D'abord, le coffre, parce que... Oh non, mon sac à dos est plein. Vas-y, bois. Pierre, le pas. Hop. Quel compte rendu souhaitez-vous lire? L'hémicycle numéro 1. L'hémicycle numéro 1. Ce modèle améliore le faible taux d'implantation des modèles précédents. La capacité de charge a été accrue à 23%, diminuant sa résistance à l'impact au cours de la descente. La descente est programmée au sud de la future formation Pangée. Lorsque l'océan sera créé, l'hémicycle restera immergé. Là de l'eau. Malgré la brève durée de sa mise en service, un réglage régulier réalisé à l'aide de graines de vie sera requis. L'hémicycle numéro 2. Ouais, je l'ai lu. Hein. L'hémicycle numéro 2. Il est voué à former la Pangée au cœur de l'océan créée par le l'hémicycle numéro 1. La Terre. Le processus poussera la cellule astrale à former la croûte terrestre et à amplifier la masse de la planète. L'hémicycle numéro 3. L'hémicycle numéro 3. Cette tour de vie optimisera la planète à travers le transfert de la cellule astrale établie. Bref. L'hémicycle numéro 3 émulera le climat de Los Gaia au sein de la Pangée afin de créer un environnement propice à la vie. Le vent, je suppose. Enfin, l'air. L'hémicycle numéro 4. L'hémicycle numéro 4. Ce l'hémicycle de secours sera également chargé de l'exécution des protocoles évolutionnaires. La descente se fera sur un terrain montagneux. La capacité de charge a été augmentée de 37% comparée au modèle 1. Sacrifice. Je suppose. Proto-lumicycle. Construction suspendue. Ancien prototype de lumicycle. Fabrication suspendue. Le plan prévoit désormais l'implantation de la cellule astrale par étapes en partitionnant les fonctions du système. Ok. Ok, ça va. Je peux gentiment retourner à la maison. Gentiment rentrer. On se téléportera ici. Là, bah, ça attendra. Non! J'ai rangé un truc que je voulais pas ranger. Ah, mais j'ai plus de jus. Bon, tant pis. On va aller au château d'illusion, je pense, pour retourner là-bas. Enfin, c'est pas du jus, non? Confiture. Non, c'est pas du jus. Non, non.
Et on va aller par là. Genre j'ai été touché. Tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. Je vous laisse en bas, hein. Vous avez qu'à prendre le prochain. Donc. Ouais, j'ai pas trop envie de perdre mon temps en fait. C'est pas comme si ça faisait 3h15 que je tournais. Ah non, je réparais le. Ah non, ça va, il y a un autre chemin. Bon. Ça doit sûrement être un raccourci ce machin. Ah, mais laissez-moi passer. Seulement un 9. Ça va, le donjon a pas l'air très très long pour l'instant en tout cas. J'espère juste que j'arriverai à battre le boss s'il y en a un. J'espère qu'il y en a pas. Dis-moi que nous avons enfin atteint le terminal de maintenance cette fois. Oui. Nous devrions pouvoir annuler le signal d'arrêt de Callistephus depuis cette console. Désolé, son nom. Attendez un instant. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de remonter sur cet échafaudage infernal? Dommage, je trouvais ça plutôt amusant, moi pas. Mission accomplie, j'ai écrasé le signal d'arrêt de Callistephus. Une fois dans le berceau, nous serons un territoire ennemi. Soyez assurés qu'ils ne feront preuve d'aucune pitié. Rien ne sert de redouter l'inévitable. Contentons-nous d'abord de monter jusqu'au berceau orbital. Nous parlerons plus tard. Oui. Ça va, rien? La pauvre. Quand même sauvegarder, on ne sait jamais. Système de contrôle de l'ascenseur spatial Virgile, veuillez choisir votre destination. Berceau orbital. Destination confirmée, départ imminent. Prenez garde, secousse.
Alors c'est ça, le berceau orbital? Aria? Bien ce que je pensais. Quelque chose ne va pas, Aria? Je me doutais que tu serais la première à te rendre à l'évidence. Aria, que veux-tu dire? Vous vous êtes fait cryogéniser? Ce serait cruel de devoir verbaliser une révélation aussi traumatisante. Permettez-moi de le faire à ta place. Le berceau orbital est un complexe destiné à maintenir les humains en hibernation prolongée. En hibernation? C'est un sommeil très long et très profond. Certains animaux ont recours à cette stratégie métabolique en hiver. Les ours. L'activité des cellules est réduite au strict minimum pour ralentir la détérioration des télomères. De cette façon, il est possible de maintenir durablement le corps humain en vie. D'après mes lectures, la technique de l'animation suspendue était déjà utilisée dans l'ancien temps. Effectivement. Notre méthode ne consiste pas à geler le corps, mais elle applique un principe analogue. Ça fait beaucoup à assimiler. Vous avez tout de même créé une technologie capable de faire hiberner les humains. Mais ça n'a aucun sens. Vous, les augures, avez créé Regaïa pour que nous, les humains, puissions y vivre, n'est-ce pas? Et nous vivons sur cette planète actuellement. Nous sommes loin d'avoir été plongés en hibernation. C'est vrai ça? Alors, qui sont ces gens? Il semblerait que vous m'ayez mal compris. Les gens qui sont en train de dormir dans ces capsules proviennent de la Terre. Vous n'êtes pas des descendants de la Terre. Vous êtes un sous-produit du programme Regaïa. Qu'est-ce que tu qualifies de sous-produit, hein? Oh, pas mal. Vous êtes une nouvelle sous-espèce qui est apparue au sein de l'écosystème créé par les Lumicycles. Une nouvelle sous-espèce d'humain? Tu veux donc dire que nous ne sommes pas originaires de Los Gaïa? En effet. Mais même parmi les augures, les avis divergent quant à savoir si nous devons vous traiter comme des humains ou non. L'étude de votre composition génétique a révélé que vous étiez identique aux humains de Los Gaïa à 99,999999998%. Cela veut dire que même si vous êtes une sous-espèce, vous puisez vos énergies dans les cellules astrales de la Terre. D'un point de vue biologique, nous avons classifié différemment selon vos origines cosmologiques hétérogènes. Nous vous avons classifié différemment selon vos origines cosmologiques hétérogènes. Nous avons nommé les humains originels de Los Gaïa, les Quins, et vous, les nouveaux humains, les Abels. Ok. Moi, j'aurais choisi autre chose comme nom, parce que... Voilà, Quin, premier assassin du monde. Et entrevoit le fait que vous vouliez nous assassiner. Super. Il est vrai que j'entends parfois... Il est vrai que je t'entends parfois nous appeler Abel. Intéressant d'avoir choisi le nom des premiers fils d'Adam et Ève après leur exil du paradis dans l'Ancien Testament. Le berceau orbital est également connu sous le nom de berceau de Quin. Enfin, des Quins. D'autres complexes abritent des Quins maintenus en hibernation. Ce berceau n'est pas la seule pépinière humaine. Nous avons tenté de les réveiller une fois la création de Regaïa achevée. Mais... Alors dans ces conteneurs se trouvent... Oui, il renferme des gens de mon époque, plongés dans un sommeil artificiel depuis 2000 ans. Ma maman, mon papa, tous mes amis et mes collègues chercheurs. Bah, au moins ils sont en vie. Non, elle est pas différente, elle vient juste d'une autre planète, c'est pas la même chose. Voilà. Tu viens de comprendre à ce que je vois. Aria est une humaine, mais elle ne partage pas les mêmes origines que toi. Elle est une Quin. Mais tu l'as dit toi-même, nous sommes quasi identiques sur le plan biologique, alors ça ne change rien, non? En principe, cela n'aurait rien changé si le programme Regaïa s'était déroulé selon le plan. Mais maintenant que le quiétus est venu interrompre nos projets, cela place Aria dans une position extrêmement délicate. Elle est la seule et unique Quin à être réveillée actuellement. Gilles, il y a plus important. N'as-tu pas affirmé que tu avais trouvé une solution pour remédier au quiétus? Si c'est vraiment le cas, alors cela change totalement la donne.
Ce serait donc le moment idéal pour nous en faire part, ne penses-tu pas? Exact. Si nous trouvons un moyen d'éradiquer le quiétus, alors tout le monde ici pourra vivre sur Rigaïa, non? C'est bien cela. Les résultats des recherches sur l'Osgaïa sont compilés dans une pièce à l'étage. Laissez-moi vous y emmener. Une fois sur place, je vous dévoilerai mon plan. Tant que ça n'implique pas de tuer des gens. C'est pas s'il y a des coffres, j'ai pas trop envie de chercher. Mes connaissances, je vais me perdre alors qu'il n'y a qu'une seule entrée, une seule sortie. Que je peux voir de loin, mais ça va. Ah, ça va, la planète est assez grande pour deux peuples, hein. On va pas les laisser dans la mer quand même. Tant qu'ils essayent pas de nous assassiner. Donc, marche du paradis. Un coffre. Bonjour, je passe. Pardon. Faudrait, hein, faudrait que je me batte. Pour paix. Faudrait. Faudrait, oui. Mais est-ce que j'ai envie? Non. La réponse est non. Bon, allez, je vais peut-être essayer les élémentaires de foudre, mais ils font mal. J'ai pas envie de me battre contre des trucs qui me font mal, en fait. Y'a rien, c'est bon, on a tout. Ok. Alors, on va au B, je suppose. Un domaine, une pièce avec juste des gens et un coffre. Et un coffre. J'espère que j'aurai un moment où je pourrais m'arrêter. J'aimerais bien aller manger, principalement, et accessoirement faire le. Et on va éviter les trucs qui font mal. Là. Avance. Sérieusement, un œuf, tu peux le manger en marchant quand même. Alors, vous émergez dans un terrain à découvert. Il ne semble pas y avoir de lieu dans les parages. Ce havre de paix serait un bon endroit où vous reposez un peu. Faire une pause, oui. Sans récupérer un peu de temps. 30 minutes plus tard, de vie. Vous avez profité d'un peu de répit. Votre santé et votre endurance se sont régénérées. Et alors que vous vous apprêtez à repartir, des augures surgissent et vous en savent. Des augures attaquent, bien sûr. Vous avez vraiment quelque chose de proposer. Hein. Bref. Pas, je suis les lettres. F, G, H. Là, c'est le genre d'endroit où il faut vraiment que j'atteigne le prochain portalis là, parce que je suis capable de le faire. Ok. Et voilà, donc ça va. Hein.
J'aime pas être une... Quoi qu'on pourrait attendre, hein, mais bon. Vu que j'ai réussi à augmenter ma vie au max. Donc... Alors, V. Ok, d'accord. Bien envie d'aller au I. On va continuer à le faire dans l'ordre. On va aller à H. Et ça nous amènera un coffre. Ah, bah ça nous amène derrière le truc. Hop. Bon élu. Et du coup, ça nous amène... Ok. Pas. Sérieusement. Sérieusement. Ouais, j'ai pas le choix. Ouais, j'ai pas vraiment le choix. Donc. C'est bien le fait qu'on prenne un œuf, qu'on mange pendant qu'on se bat. C'est bon? Ah, il y en a encore un. Ah, on aurait dû juste se re-tépé, d'accord. Bah, tant pis. Pas grave. Ok. Ah, tant pis, c'est pas grave, ça fait une pute. Ah, il est plus petit. C'est vrai, ça va vous laisser. Petit détail. Non, non, on va le tuer d'abord. Hein. Il a l'air bien chiant. Condition green. Alors, qu'est-ce que tu racontes plus? Un interrupteur entouré de petits trous se trouve dans le mur. Son utilité, vous êtes inconnu. Appuyez. Ben, ouais. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, une petite mélodie s'élève. Vous comprenez que la musique vous parvient à travers les interrupteurs. La mélodie languissante vous emplit d'une douce nostalgie comme si elle vous était familière. Auprès de l'interrupteur se trouve une plaque sur laquelle est gravé un mot. Ce doit être le titre de la chanson, mais les lettres sont presque effacées. Après un moment, la musique s'arrête. Cette interlude musicale fortuite vous a permis de vous détendre. Votre endurance est régénérée. Parfait. Ajax. Voilà. J. Prochain, ça va être le K. Sauf qu'il n'y en a pas, donc ça va être le N. Et là. Pas de truc pour réparer. Bon, bah, on va taper Ajax là. Pas un produit laitier, donc. Par hasard. L'Ajax, pas un produit pour nettoyer. Il me semble, hein. Je crois pas que j'ai de trucs pour réparer. Sûrement un raccourci. Un autre raccourci.
Mais apparemment, le cas n'existe pas. Ils ont dû l'oublier. Alors, elle. Ah! Agatheram. Waouh! Calme. Un hôpital ou Richal, comme vous voulez. Maison de la sagesse. Quoi ça, cette pièce? Nous voici dans la bibliothèque. Elle renferme une archive automatisée du savoir humain datant de l'ère commune. C'est une société de presse qui a amassé des données scientifiques, historiques, culturelles et sociétales humaines. Nous l'utilisons comme stockage secondaire dans lequel nous puisons nos connaissances sur l'humanité. C'est donc pour cette raison que les augures en savent autant à notre sujet. Alors, que voulais-tu nous montrer ici? Je veux que vous connaissiez les faits historiques pour que vous puissiez jauger mon plan avec discernement. Et plus particulièrement, les derniers événements qui ont scellé l'histoire des temps. Tu parles du projet Paradis? Oui, il s'agit là des ultimes recherches menées par les temps. Quand ils réalisèrent qu'il n'existait aucun moyen d'empêcher la Reine Rouge d'émettre la poussière de Gaïa, ils se résolurent à trouver leur place dans ce monde devenu hostile. C'est alors qu'ils imaginèrent créer un paradis sur Terre. Ainsi naquit le projet Paradis. Ils prévoyaient d'ériger une barrière protectrice tout autour de la ville pour empêcher la poussière de s'y infiltrer. L'Éden abandonné, la ville que vous avez vue sur l'autre Gaïa, était une cité expérimentale pour le projet. Mais dans ce cas, ça signifie que le projet a raté, qu'ils avaient abandonné tout espoir d'éradiquer la poussière de Gaïa. Ils étaient arrivés à la conclusion que tenter de garder la poussière de Gaïa sous contrôle serait une perte de temps. Quelle déception. À mon époque, nous luttions sans relâche pour débarrasser le monde de ses effets dévastateurs. Je vois à quel point les choses ont changé depuis ton départ. Cependant, j'aimerais que tu comprennes, toi, plus que quiconque, pourquoi l'humanité a choisi cette voie. Notamment parce que les responsables du projet Paradis n'étaient autres que monsieur et madame Leventhal, dont tes parents. Tes parents sont à l'origine de cette initiative, Aria. Ma mère et mon père ont imaginé ce projet. Ces érudits reconnus pour leurs études sur la cellule astrale ont conclu qu'on ne pouvait éradiquer la poussière. Ces 2000 dernières années nous ont prouvé qu'ils avaient raison. Nous avons nous-mêmes été incapables de trouver une solution à la poussière de Gaïa, nous, des IA supérieures. Mais attends une petite seconde, ce n'est pas ce que tu affirmais tout à l'heure. N'as-tu pas trouvé le moyen de mettre un terme au Pietus? J'ai dit que j'avais fait une découverte capitale au sujet du Pietus, pas que j'allais le faire disparaître. L'idée même d'essayer d'y mettre un terme a déjà causé de trop nombreuses tragédies. Avec le recul, c'est à cause de notre arrogance si Lost Gaïa s'est retrouvé piégé entre les dimensions. Notre plan de purification de Gaïa l'a mené à sa perte. C'est de notre faute si Lost Gaïa a dû être relocalisé. Mais nous devons trouver un moyen d'éradiquer le Kytus. C'est la lueur d'espoir qui guide les sept.
N'emprunte pas ce chemin, dit Antus. Je peux te dire d'expérience que ce soi-disant espoir n'est qu'une sorte de bug dans ton processeur. Il n'est rien d'autre qu'un monstre qui se nourrit des souhaits et consume tes pensées. Tu ne dois pas l'accueillir. Mon ancienne personnalité était tellement obsédée par l'impossible tâche d'endiguer le quiétus qu'elle était fermement résolue à commettre un massacre insensé. Aurais-tu oublié l'apoptose de l'étoile? Nous privons l'humanité de tout avenir en nous accrochant désespérément à l'idée d'éliminer le quiétus. Mais... fais preuve de réalisme, G. Maintenant, veux-tu bien nous exposer ton plan? Je suggère de raviver le projet Paradis et d'installer une barrière d'une circonférence de 2000 rimes sur Pregaïa. Ainsi, les humains qui résideront à l'intérieur pourront continuer à vivre normalement, même pendant le quiétus. Ça, c'est qu'on veut. Faut pas être plus trop fort. Tu tentes de contrôler les humains? Je pense pas qu'ils veulent les contrôler, là. Là, pour le coup... La peur des espaces clos serait-elle plus insurmontable que la peur de la mort? Vous devez désormais savoir que nous avons manipulé les informations à votre disposition à plusieurs reprises, Isabelle. La famille royale imaginaire au château des illusions, la magie du monolithe. Le pouvoir de l'imagination vous a invariablement conduit à accepter ces données sans poser la moindre question. Votre esprit est conçu pour combler le vide présent dans la réalité grâce à son imaginaire. Avec cette capacité, il vous est même facile de fabriquer des êtres fictifs. C'est vrai. C'est ainsi que le concept de Dieu s'est imposé à travers le monde en se répliquant dans l'imaginaire des hommes. Créativité n'a aucune frontière. Tant que son esprit sera libre, l'homme endurera le confinement pour sa survie. Il suffira par exemple de lui faire croire que d'autres humains vivent en dehors du paradis ou... ça ne me dit rien qui vaille. Ce n'est pas en nous serinant que nous sommes intérieurs à vous que ton idée séduira. Excuse-moi si je t'ai blessé. Ce n'était pas mon intention. Les êtres doués d'intelligence peuvent uniquement percevoir la situation qui n'échappe pas à leur entendement. As-tu déjà entendu parler de l'œuf cosmique? L'univers est une structure perçue subjectivement. Avant d'englober l'espace, l'univers humain se réduisait au ciel, à la terre et à l'océan. Un poussin ne comprend que ce qu'il y a dans son œuf, mais tant qu'il lui paraît confortable, il ne se plaindra pas. C'est vrai. Nous pourrions recréer ce même sentiment sur Gaïa, une coquille du paradis, en quelque sorte. Voilà en quoi consiste mon plan. Tu révèles enfin tes véritables intentions. D'ordinaire, j'aurais sans doute écarté une telle suggestion, mais hélas, le temps ne joue pas en notre faveur. Exactement. La fin de la période d'hibernation du berceau approche à grands pas. Quoi? Pardon. Même l'hibernation ne peut maintenir les cellules en vie pour l'éternité. C'est pour cela qu'il ne nous reste que peu de temps pour délibérer. Aria, c'est à toi que doit revenir cette décision. Quelle décision? Grâce à une simulation, j'ai obtenu la confirmation que la coquille du paradis était un projet réalisable. Mais un problème de taille subsiste. Pour maintenir la coquille, nous devrions utiliser toute l'énergie des lumicycles afin d'alimenter la barrière. Oh mais, vous ne pouvez pas faire ça. Et moi, raison. Qu'adviendrait-il du monde en dehors de la coquille du paradis? Une fois privé de la régulation environnementale des lumicycles, le reste de la planète dépérira fatalement. Non, c'est terrible. Croyez-moi, c'est le cas de tous les soucis. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la superficie que nous pourrons couvrir. Même en exploitant l'énergie des quatre lumicycles, la barrière n'excédera pas une circonférence de 25 rimes. Et quelle taille ça représente exactement? Une ville, c'est ça? Cela ne permettra d'accueillir qu'une partie de la population. Que deviendront les autres? Ils mourront, je suppose. Touche au cœur du problème. Je vais te répondre en me basant sur les résultats de ma simulation. Selon mes calculs préliminaires, la coquille du paradis pourrait accueillir au maximum tous les quins qui dorment dans le berceau ou toute la population d'Abel présente sur le Gaïa. Soit l'un, soit l'autre.
Ah, c'est assez dur. Oh non! C'est une décision éthique extrêmement difficile à prendre, et c'est à toi de choisir quelle espèce vivra Aria. Nous avons pour ordre de préserver l'humanité. Notre éthique ne nous permet donc pas d'éradiquer l'une des deux. Ce choix sera par essence une violation flagrante des trois règles d'or. Le Barkling. On ne peut pas demander au peuple de Rigaea de décider puisqu'il choisirait logiquement la survie de son espèce. Il est exclu de réveiller les quins pour résoudre ce dilemme, car ils sont dotés du même gène égoïste. C'est-à-dire chacun ses complications. Et même si cette position n'est pas idéale, tu as eu l'opportunité de vivre les deux mondes et de côtoyer sur les deux mondes et de côtoyer les Abel durant ton séjour sur Rigaea. Tu es donc la mieux placée pour décider de l'avenir de ce monde. Je crois que nous aussi, toi seul peux décider avec impartialité et étiqueter et équité quelle version de l'humanité tu souhaites voir survivre. J'aimerais que tu détermines quelle espèce incarnera au mieux l'avenir de l'humanité. Je t'en supplie, Aria, tu dois le faire pour l'avenir des hommes et pour la réussite de ce projet. C'est cruel. On doit trouver notre solution. Ouais, on doit trouver notre solution. Oh. Couler sur notre planète, je sais pas. Ne comprends-tu pas, Célène? Il n'existe pas d'autre solution. Bien sûr que si. Cela fait 2000 ans que nous, les sept, essayons de résoudre ce problème. Crois-tu pouvoir sortir miraculeusement de l'impasse l'humanité en sursis? Déjà, le quiétus. Soi-disant. C'est une journée, ça va, ça passe. On peut rester cloîtré pendant une journée. Non? Non? On verra plus tard après, pour le reste. Ce que je vais te demander dépasse sûrement tes capacités intellectuelles, mais cesse de t'agripper à l'imaginaire. Non? 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 Excuse-moi, Célène. Mais j'ai à raison. Mais non, il n'a pas raison. Les sept sont peut-être imparfaits et dépourvus de compétences décisionnaires, mais ils restent dédiés à supérieurs. Mais non, il n'a pas raison. Cela fait bien longtemps que leur intelligence a dépassé la nôtre. Oui, mais comme ils n'ont pas le pouvoir de l'imagination, nous aurions beau nous donner tout le mal du monde, nous ne trouverons jamais de meilleure solution que la leur. Mais si. L'époque où nous pouvions nous permettre de nous abandonner à nos rêves et à nos fantasmes est révolue. Tu as raison, les rêves ne sont rien de plus que des présomptions idéalistes. De plus, le projet Paradis a été soumis par tes parents. Si quelqu'un doit reprendre le flambeau et continuer là où ils se sont arrêtés, c'est bien toi, Arlo. J'imagine que vous, les humains, qualifierez cette coïncidence d'ironie du sort. Aria, comment suis-je censé faire ce choix impossible? On prend une partie des Abel, une partie des quins. Je ne peux pas, cette décision est bien trop lourde de conséquences. La fin de la période d'hibernation est imminente, mais nous disposons d'un court répit avant l'instant fatidique. Je te laisse une journée pour réfléchir. Une journée? C'est pas assez. Reviens me voir après-demain avec ta réponse. C'est cruel. Bah, tu parles d'un jeu de chill maintenant. Ouais, soit tu détruis soit tu fais un génocide, soit tu fais un génocide. Voilà. Waouh. Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Pendant 2 secondes, j'ai cru que j'avais toutes les quêtes qui revenaient. Non, non. Parler à tout le monde. Ok, parle à tout le monde. S'il existe 2 types d'humains en ce monde et qu'un seul d'entre eux peut accéder au paradis, j'ignore à quel saint nous sommes censés nous vouer à présent. Nul ne détient la réponse, pas même la Sainte Mère, puisque les lumiciers qui ont été créés par les augures. Le destin restera sourd à nos suppliques. Y a-t-il la moindre lueur d'espoir en ce monde? Ah, c'est dur. La coquille du paradis, c'est bien ça. La situation est un peu trop compliquée pour moi. Je n'ai pas tout saisi. Mais j'ai compris que seuls les quins ou les abeilles pourraient survivre. Cette histoire me donne mal à la tête. Nous qui pensions avoir rétabli la paix après avoir mis G hors d'état de nuire,
J'étais stupide de croire qu'en tuant l'ennemi, nous coulerions des jours heureux. La vie n'est pas un conte. C'est extraordinaire. Je n'arrive pas à croire que les lumicycles sont des machines créées par les augures. Et que dire du concept de la coquille du paradis? Je dois admettre que leur science est bien plus évoluée. Qui suis-je pour les contredire s'ils affirment que la coquille du paradis est la seule solution? Cependant, la décision risque d'être difficile à prendre pour Aria. Je me demande ce qu'elle va faire. Toutes les créatures vivantes doivent s'affronter et lutter pour leur propre survie. J'en suis l'exemple parfait. Je me tiens devant toi aujourd'hui car j'ai sacrifié d'innombrables vies pour en arriver là. Si la coquille du paradis devait se concrétiser, je suis certaine qu'une guerre éclaterait pour sa conquête. Callistephus nous a mis en garde contre ce danger. Même sans individu malveillant, résolu à tenir son éclat, l'humanité perdra sa lumière jusqu'à cette année. Bah surtout que nous, on est au courant qu'il y a des gens qui vont crever. Et ceux qui dorment, ils savent pas. Quoi, c'est beau. La véritable famille d'Aria se trouve dans le berceau. Alors on ne pourrait pas vraiment lui en vouloir de les choisir. Autant dire que je devrais sans hésiter mettre fin à ces jours pour avoir une chance de survivre. Mais j'ai une sensation étrange. C'est comme si je n'avais pas envie de la tuer. Non, est-ce que c'est ta faute? J'espère qu'Aria va bien. Je ne connais que trop bien cette douleur, la mort qui s'immisce dans l'âme lorsqu'on perd sa famille. Ah, c'est cruel! Ah, j'espère qu'on ne devra pas choisir. Mon Dieu. Mais il y a une pièce qu'on n'a pas encore visitée. Peut-être que c'est là la solution. Oh, Célène. La coquille du paradis est l'unique chance de survie de l'humanité. Mais seuls les nouveaux humains ou les humains originels pourront y trouver refuge. Une seule de nos deux espèces pourra survivre. C'est plutôt cocasse, vous ne trouvez pas? Oh, je vois. Maintenant, vous me considérez tous comme... Je suis votre ennemi. Oui, c'est pas notre ennemi, c'est notre ami. Épargnez-moi ce genre de discours gentillet. C'est vrai. Je suis désolée, je laisse mes émotions prendre le dessus. C'était à rien de bon ne sortira de ma bouche. Mes pensées se bousculent dans ma tête. J'ai l'impression qu'un esprit sournois est tapis dans mon âme, prêt à jaillir. Pourquoi on ne ferait pas la même chose sur une autre planète? Ou là, vous implantez directement les autres. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Il faut que je rentre à la maison. Aria a quitté le groupe. Qu'est-ce qui se passe? Non, même notre personnage, il est quitté. Je crois que nous ferions mieux de rentrer, nous aussi. Berceau orbital terminé. Et je vais arrêter le record là, parce que 4 heures de record, ça va être chiant au montage. Donc comme ça, je vais couper. Et on reprendra au chapitre 7 tout de suite après. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Pour moi, c'était long, donc vous n'aurez pas d'au revoir dans les autres parties, dans les parties précédentes à celle-ci, étant donné que je mets fin maintenant. On a eu beaucoup de révélations. C'est cruel, ce genre de choix, c'est cruel. Pourtant, c'est la vie. Des fois, on est face à ce choix. On appelle ça les choix de est-ce que tu sauves tu peux sauver qu'une seule personne, est-ce que tu sauves ton père ou ta mère, ton fils ou ta fille, ta mère ou ta copine. On a des choix qu'on appelle des choix impossibles. Et faut toujours essayer de trouver une troisième voie. Voilà. Faut toujours essayer de trouver une troisième voie où vous pouvez tout le monde, ou vous pouvez personne, hein. Vous pouvez très bien choisir de ne sauver personne. Mais voilà. L'avantage justement de l'être humain, c'est notre imagination. Donc certes, les 7 sont intelligents, mais peut-être qu'ils n'ont pas cherché justement du côté de l'imagination. D'imaginer des choses. Justement, voir si ça fonctionne, voir si ça fonctionne pas. Mais là ouais, là on est au pied du mur, je suis déception, je suis tristesse, je suis affamée,
Donc, je vais en profiter pour faire une petite pause sur cet adorable petit écran du chapitre 7. On voit qu'on s'approche de la fin, parce que là ça s'est enchaîné, je ne pouvais pas vraiment faire les quêtes annexes. J'espère que je vais pouvoir le faire bientôt, en tout cas du moins avant le boss final, histoire de pex un peu. Mais ouais, c'est cruel, c'est cruel, c'est cruel, c'est cruel. Et il a raison, hein. Si on demande aux gens de Rigaïa, donc les Abel, si on leur demande, évidemment, ils vont choisir. Vous avez entendu ce que j'ai dit au début, hein. J'ai dit, mais je connais pas les autres, moi, je connais pas l'autre monde, moi je vais dans celui-là, je vais sauver celui-là. C'est logique, on sauve notre vie, c'est notre instinct de survie qui prend le contrôle. Pareil pour les quins. Si on réveille les quins et que c'est eux qui doivent choisir, ben, ils vont faire comme ça, ils vont dire, mais j'en ai rien à foutre des autres, moi je les connais pas, ma survie prime, ma survie prime. Donc, connaître les deux facettes, nous encore, à part Aria, on connaît pas les quins. Du coup, Aria, ça la met dans une position encore plus complexe parce que elle a les deux phases. Elle voit les deux phases de la pièce. Elle voit la vie qu'on a vécue avec nous, avec nos aventures et tout ça. Et puis, à son côté, ses parents, sa famille, c'est son espèce, hein, littéralement. Donc, elle connaît les deux et c'est un choix hyper cool. Enfin, un choix hyper cool. J'espère qu'on va pouvoir avoir une troisième voix ou justement parler à cette dame-là, cette dame qui était en robe noire sur Lost Gaia et qui était en robe blanche chez nous. Elle a dit ça serait un choix, on pourra pas sauver tout le monde, mais on espérera sauver au moins la fille. Si je me souviens bien du début, il faudra que je le repasse. Donc voilà, on va voir comment on peut faire. On va voir. J'espère que ça ne sera pas à nous de choisir parce que là, je peux Moi, je veux une troisième fois. Je veux une troisième possibilité. Genre, par exemple, on pourrait mettre à l'hibernation les gens de Rigaïa, les changer, et que les autres y vivent. Et, enfin, je sais pas. Faut trouver un. En fait, c'est ce qui est plus, quoi. Faut trouver une. Savoir d'où il vient, déjà. Savoir d'où il vient. Et comment faire pour l'arrêter, quoi. Enfin, bref. Je vais m'arrêter là, j'espère néanmoins que ça vous aura plu. Ça, au moins, vous aurez plusieurs épisodes du chapitre, enfin, de la trame principale. Ça changera un peu. Je pense que vous apprécierez un peu de connaître un petit peu cette histoire. Et à la prochaine. Pour cette note de tristesse et d'amertume. Bye bye.